Salut. Hello tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, une vidéo où on part en vadrouille et cette fois-ci je suis avec Agathe que vous avez déjà vu dans la vidéo en Sardaigne. Donc on part aujourd'hui à Vienne. À Vienne. Donc on part à Vienne en Autriche, voilà, on révise notre géographie et on part le temps d'un week-end, donc on est samedi, on rentre le mardi matin, donc ça va être court mais intense, mais très bien, on se voit faire très très beau et très chaud, mais on a hâte franchement, là on est à l'aéroport comme vous avez deviné, on attend l'avion et voilà, ça va être top, on a hâte de vous montrer tout ça. Bon visionnage. On est arrivé à bon port. Oui, et on est déjà dans la ville, c'est une bonne chose. Nous sommes arrivés à Vienne, on est trop contentes. C'est beau, tout est beau. Regardez. Et c'est grand. C'est propre. Merci. Et là, du coup, pour bien commencer notre séjour, on va à Karlsplatz. Et en gros, c'est là apparemment où il y a tous les gens qui se posent, qui boivent un verre. Il y a une bonne ambiance, il y a des beaux monuments. Ouais. Donc on va se balader, boire un verre, manger aussi, parce qu'on a faim. Je vous emmène avec nous, comme d'habitude, encore une fois, je dis toujours les mêmes phrases. Enfin, que je m'en nouvelle. Et on vous montre tout ça, voilà. Let's go. On a pris des currywurst. Est-ce que c'est bon? Et où allons-nous? Okay.
va manger. On va goûter des spécialités viennoises. Nous, le café central, c'est un des cafés viennois les plus réputés. C'est le plus réputé d'ailleurs. Et de ce qu'on a entendu et vu, apparemment, c'est le repère des philosophes de l'époque. Donc, je venais ici manger un petit goûter. Et nous, on n'est pas philosophes, mais on vient ici manger un petit déj. Ouais. On a déjà reçu un petit peu de nourriture. Tada! C'est trop beau, j'entends. Allez, bon appétit! Santé! Yam! J'ai dit que la poche trouvait que Agathe m'a vendu, mais un point. Alors, c'est pas très bon. En fait, c'est un peu chaud. Je vous le recommande. Tes impressions sur Vienne. Waouh. Voilà. C'est aussi simple que ça. En fait, tout est beau. Mais ça en devient indécent. Parce que, en fait, on se dit, on va quelque part, au final, on traverse des choses. Et du coup, on voit d'autres choses, et après, ce qu'on voulait faire à la base, ça prend du retard. Enfin, du retard, retard sur le programme. Non, mais. Il y a tellement de choses qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'est bien, parce que tout est beau. Mais du coup, ça nous perturbe un petit peu. Oh, il y a ça, regarde. Je vais perdre ma caquette avec le vent. Des étudiants et c'est passé tout seul. Fatiguée de remonter les 300 marches. Ouais. C'est pour ça que tu étais assise. Ouais. On est assise alors qu'on a pris l'ascenseur. Donc on n'est pas du tout fatigué. J'avais que ça. Oui, c'est vrai, on n'avait pas le choix. C'était obligatoire. Après, pour notre plus grand plaisir, certes, on a le goût du challenge, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein, c'est tout. Puis le gars dans l'ascenseur au top. Super ambiance. Wouh! On remange local. Oui! Avec des spätzle, spätzle. 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 Et moins de lait. Buvez de l'eau, c'est important. Là, on va prendre le métro, le U4, pour se rendre au château Schönbrunn. Schönbrunn. J'ai un problème avec les noms. Schönbrunn. C'est un umlaut. C'est ça. Château de Sicile. Attends, j'ai pas dit lui. Bienvenue dans Secret d'Histoire. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans les jardins du château Schönbrunn, qui est le château de Sicile. On a enfin eu l'info. Grâce à Agathe, alias Stéphane Berne.
Elle y a vécu. Elle y a vécu. Elle a volé la vedette à son mec. Et là, comme vous voyez, on se balade. C'est plein de verres du noir. Mon petit PC pour un château qui se veut ressembler à Versailles. Hein. N'oublions pas que c'est gratuit. Ah non. Ah, bah on arrive aux toilettes, super. Ah ouais. Premier truc pour moi, c'est les chiottes. Ah, toujours plein de découvertes. Cette visite. C'est beau, regarde les toilettes. Oui. It's true. Le moyen de rafraîchissement. La fontaine. Tu sens de l'eau? Ça marche. Oups. Le téléphone il est trop pire. Ça fait du bien. Vous avez chaud, vous habitez à Vienne, venez au jardin, c'est gratuit. On a commencé la randonnée. On a le chemin qui grimpe de fou. Et du coup, bah, à pied, forcément, il y a marché. Il fait chaud, mais on va y arriver. Tout en haut, il doit y avoir une super vue. Et je suis déjà essoufflée. On y est. C'était rapide au final. Hello, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Nous sommes où? Nous sommes au Prater. Comme vous pouvez voir, il y a une grande roue. Et qu'est-ce que c'est que le Prater? C'est un parc où on trouve pas mal d'attractions. Voilà. Et dont la... Une des plus vieilles roues d'Europe. Et tout simplement un parc d'attractions à Vienne, donc un parc d'attractions permanent. Donc l'entrée est gratuite, bon les attractions sont payantes bien évidemment. Et du coup on s'était dit que c'était sympa, qu'il allait avoir une bonne ambiance. Bon ça a l'air plutôt calme parce qu'on reste dimanche. Mais on a quand même... Mais c'est peut-être pas plus mal hein. On fera pas la queue. Décoiffe. Je trouve. J'ai les jambes qui flageolent. Mais c'était trop bien, la vue top. Mais vous la verrez pas. Bah non, on n'a pas le droit de filmer, mais avec la GoPro, je suis dégoûtée. Mais c'était bien, mais j'ai eu peur. Si on a eu peur. Ouais, mais j'ai quand même regardé en bas. Oui, bah, moi j'ai pas osé. Franchement, j'ai dû attendre 15 minutes avant de me décider à le faire. Et j'avais très peur. Mais c'était vraiment bien. Je vous conseille de le faire. En vrai, on a pas trop le vertige, genre un petit peu quand même. Hein, si vous avez le vertige, ne le faites pas. Ne vous mettez pas en danger pour rien. Faut pas avoir le vertige. Bah, c'était beau et en plus, il y avait couché le soleil, on a vu les montagnes et tout. On a fait un beau moment. C'est pour ça que j'ai attendu, tu vois, c'était juste pour... Ouais, ouais. Ça, c'était trop, voilà. C'était trop bien. On est très fiers de nous et là, on va aller boire un truc pour se récompenser. Voilà. Allez, prost.
Le marché permanent et qui est juste à côté de l'auberge. Il y a plein de choses à manger, à boire, pour s'habiller. C'est un marché quoi, mais c'est sympathique. Ça sent très bon. Ça sent très bon, c'est plein de goût et de saveur. Bon appétit! Canal du Danube, comme vous voyez ici, et on est de retour. Pourquoi? Parce qu'on est repassé à l'auberge. Pourquoi on est repassé à l'auberge? Pour aller chercher un maillot de bain. Donc nous, on va pas se baigner dans le canal, vous vous doutez bien, puisque l'eau n'est pas très propre, mais on est tombé sur quelque chose. On s'est regardé, on n'a pas hésité une seule seconde. Là, on va dans ce truc, et oui, il y a une piscine, on dirait pas comme ça. On est vraiment tombé dessus par hasard. Avec la pluie, c'est comme ça que finissent les séjours. Apparemment il pleut,
Et du coup, on prend l'avion à 7h du matin, on doit être à l'aéroport à 5h. Et on voulait sortir, mais... C'est mort. On va rentrer à l'auberge et puis on va attendre 4 bonnes heures. Ouais. Il pleut plus. Se coucher parce qu'on est fatigué, surtout qu'il pleut, donc on peut, enfin là il pleut pas mais il va pleuvoir dans la nuit, donc on peut pas visiter, bouger, juste attendre que ça passe, on va clairement dormir, donc du coup voilà, on va dormir 3 heures, ça sera une sieste et on part demain. Ils ont pas besoin de voir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré Vienne, je trouve que c'est une très belle ville, il y a plein de choses à faire. Et je pense que j'y retournerai peut-être à la période de Noël, peut-être pas cette année, mais pour aller découvrir les marchés de Noël et toute l'ambiance qu'il y a, ça a l'air très particulier et franchement, je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore pu découvrir, c'est quand même une très grande ville. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette ville et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà allé à Vienne et ce que vous avez préféré là-bas. Ça me ferait plaisir de voir aussi, d'avoir un peu votre tour. Et je vous invite à vous abonner pour voir les prochaines aventures qui arrivent. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !